Allez, on est de retour au stade Nassé de l'IFU, une deuxième rencontre en live qui vous est proposée par la FCF TV Web. Dans quelques instants, vous retrouverez deux formations qui devraient se livrer un beau duel, John. Le SNJU d'un côté, la S Magenta de l'autre. Après la victoire, on l'a vu ici même au stade Nassé de l'IFU. Juste avant, la belle victoire, en tout cas importante victoire de Tigasport face à Rouen-Nono. Maintenant, il va falloir que Magenta aille gagner, aille chercher des points ici au stade Nassé. Et puis pour Nejeu, il va falloir absolument l'emporter pour recoller au peloton de tête, notamment Yann Gainsport, le leader qui s'est imposé 3 buts à 1 tout à l'heure face à l'AS Cognier. C'était au stade Noumadélé. Oui, ça va être un match intéressant pour Nejeu qui devra justement tenir son rang et essayer de garder une certaine distance avec le duo de tête là. Et puis Magenta qui va essayer de limiter l'écart, ce gros écart qui est, ils sont à la 8e place, ce gros écart qu'il y a avec les premiers. Donc on est en direct à l'IFU, terre Jeu qui nous accueille aujourd'hui, la FCF TV Web qui donc vous permet de suivre exceptionnellement, et c'est inédit, deux rencontres depuis l'IFU, depuis les îles. Voilà la volonté de la Fédération Calédonienne de Football de délocaliser les images de Super League également aux îles. On aura l'occasion certainement d'ici fin d'année d'aller aussi du côté de Marais pour des lives, pour un live Super League. Donc une bonne initiative et pour mettre à l'honneur également tout le travail mis en œuvre du côté des îles Loyauté et du comité provincial. On va avoir donc justement les scores aujourd'hui que l'on a, hein, puisque donc Yann Gain, je le disais, s'est imposé 3 buts à 1. Et puis également, petite sensation, la JS Baco qui fait une très bonne opération en dominant Wedge, John, 2 buts à 1. Surprise et Wedge qui enchaîne deux revers d'affilée. Oui, c'est surprise parce que Wedge a eu un début de championnat, un gros début de championnat avec cette victoire 13-0 face à Point-Dimier. Donc ils ont commencer à justement montrer qu'ils allaient être là, présents durant ce championnat. Et puis là, depuis 2-3 matchs, exactement. Il y aura aussi donc, hormis ce Nejeu Magenta que vous allez pouvoir suivre en live, un Racing Point-Dimier Mondor important à 16h. Donc c'est en cours du côté de Koné et puis également en cours d'Umbea face à l'Ossi. On voit au classement donc, que Yann Gain a 30 points, reste leader et restera leader ce soir. Tigasport et sur les talons d'Yann Gain avec un match en moins et 24 points. Et puis Cougnier, donc qui pour l'instant reste sur le podium, à suivre forcément en fonction du score de Nejeu face à Magenta. Magenta à 12 points qui va devoir, tu le disais John, eh bien, s'imposer. C'est jamais facile de venir gagner ici en terre l'IFU, mais Magenta qui va devoir essayer de glaner ces 4 points d'un succès important, qui serait important au niveau comptable. Voilà, exactement, comme tu disais, c'est difficile de gagner à l'extérieur. Ici, surtout à l'IFU ou à Marais, voire au nord. Et puis, c'est clair que tout à l'heure, on l'a vu avec Tiga, qui est, même si ils ont dominé leur sujet, sur les 30 dernières minutes, ils ont souffert les joueurs de Tiga. Exactement, on va passer aux compositions des équipes. Avec du côté du SNJU, un 4-4-2 losange mis en place par Cédric, le coach Cédric Ouedjiem. Et puis plusieurs changements de dernière minute du fait de 3 absences qui n'étaient pas prévues. On va y revenir. L'entrée, vous le voyez, des formations de Nejeu en orange et Magenta en blanc. Côté donc Nejeu. Défense à 4 avec à gauche Dylan Sio, dans l'axe Hendrik Ukadjo et le capitaine du soir Alexandre Sio. À droite Steve Ujikas, une sentinelle Michel Ukadjo. Avec un milieu de terrain, on retrouvera à gauche le jeune Ludovic Forest, à droite Meiron Ralic. Et en position numéro 10, Willy Waeo. Devant Denis Waeo et Jordan Wachia, remplaçant Wazizi, Goé, Forest, Claude et Forest Junior. Avec les absences à noter de Mon Wamoe, d'Emile Hatché et de Yuriken Gazo qui n'étaient pas prévus. Ils devaient prendre l'avion ce matin. Il y a eu un petit couac au niveau des billets qui n'est pas lié au CNJU. Et donc, 3 absences que Cédric Ouedjiem a dû combler en urgence. Du côté de l'AS Magenta, Alain Moisan qui ne change pas de système, qui reste en 4-2-3-1 avec l'entrée dans les buts et en titulaire Wilfried Charoiné. Steve Hiroé étant absent, le gardien titulaire, Steve Hiroé qui avait été sensationnel
face à Yengen le week-end dernier. Une défense à 4, Toué, Waziarima, Jimmy Waouni, Martin Makam et à droite Edouard Jewine. Deux récupérateurs Alexis Guérin et Jackie Wetewea. Nemia, ça change pas en position de meneur de jeu. On retrouve Nicolas également de Villers à gauche, devant forcément Kevin Nemia. Et puis à droite, Nicolas Foubert qui est dans le 11 ce soir, remplaçant Kervoualen, Icheu, Kamizak et Waounye. Voilà donc pour les compositions des équipes. Le trio arbitral de l'IFU qui va donc officier avec au centre Marcel Achewe, assisté d'Ernest Louis-Wadia et de Sylvestre Waïsso. Voilà donc pour le contexte de ce match. Qui, on le disait, John, est important. Il y aura une minute de silence en l'honneur et en la mémoire de M. Michel Clark, décédé maladie ce lundi. On lui rend hommage et on adresse toutes nos condoléances encore une fois aux proches et à la famille de Michel Clark. Ancien grand gardien international, ancien grand entraîneur, également calédonien. Voilà donc pour ces hommages adressés à Michel Clark, je le disais lors du premier match, qui restera de toute façon à jamais le premier sélectionneur calédonien à avoir qualifié la Nouvelle-Calédonie à un mondial de la FIFA. C'était avec les U17 en 2017. Il s'en était suivi une aventure en Inde qui restera dans les mémoires. Michel Clark, ancien gardien notamment du Saint-Jean-Baptiste de Natalo, du FC Gaïcha, ancien gardien de la sélection. Il a ensuite été sélectionneur chez les A masculin, féminin. Entraîneur également d'Yengen Sport, avec un club avec lequel il avait remporté la Coupe de Calédonie. Bref, énormément de choses à dire sur la vie et le parcours footballistique de Michel Clark, dont on rend hommage encore une fois. Voilà. Coup d'envoi donné par Nemia et une tentative directe de Kevin Nemia. Alors John, pas évident donc pour Cédric Wedjem qui a dû pallier à l'absence notamment de son capitaine Manu Amoé et aussi d'Emile Haché défensivement. Ouais, ça va être difficile hein, si dans le 11 titulaire en tout cas. Ils étaient prévus avec un billet d'avion finalement. Il y a eu un petit couac. Donc voilà. On va voir comment cette équipe se comporte. Se passer de ces trois joueurs avec Nemia, la frappe et le voilà, but de Kevin Nemia, incroyable, on joue depuis 43 secondes. Kevin Nemia qui vient de surprendre tout son monde et notamment Yoran Waima. Ça fait 1-0 pour la S Magenta. Bah, on peut pas espérer mieux. Comme début pour la SM. Ouais, exactement. Donc maintenant, il va falloir pour l'équipe de Nejeru qui sont à domicile de pas réagir face à cette 43 secondes. Exactement. Secondes. Le public, même lui, a été surpris, mais frappe instantané. Bien placée, instantanée. Ouais. L'équipe de Magenta qui surprend de plus en plus avec. Il va falloir très vite réagir. Après donc un début de match complètement raté, hein, on ne peut pas dire d'autres mots, c'est 43 secondes où effectivement eh bien, l'ASM vient d'ouvrir le score. Et donc c'est Kevin Nemia qui a encore frappé, le capitaine qui montre la voie. Et donc on est en direct sur la FCF TV Web.
Et donc on est très ravis d'avoir été accueillis ici à Lifou. Donc ben voilà, on en parlait avec Cédric Ouedjem qui devait composer sans, avec les absences, et d'un coup là, ça confirme un peu cette préparation difficile et une entame de match du coup ratée. Mais il va falloir vite réagir. On va voir comment justement cette équipe de Nejiru avec les trois absences là, comment ils vont réagir, comme tu disais Romain. Et pour l'instant, il n'y a que 2 minutes 30 de jouer. Et puis, il reste encore pas mal de temps. Ah, le ralenti. Et voilà. Sur le but de Kevin Nemia. Voilà. Frappe qui finit dans le petit filet. À droite, à gauche du gardien. Mais on connaît le sens du but de l'attaquant international calédonien, originaire de Marais. Et ça repart de l'autre côté avec ce ballon qui file. Ralic Meiron, il l'a trouvé. JKC, on décale. Kukadjo. On va voir Nejiru qui va essayer de poser certainement son jeu, d'imposer son jeu à la maison. Martin Makam qui s'impose. De Villers. On a exactement la même situation que dans le match d'avant où l'équipe qui reçoit se place sur un bloc médian voire bas, et puis l'équipe qui se déplace, qui va chercher haut des fois, c'est de presser. En tout cas, on est très vite rentré dans cette rencontre. On voit ce tacle glisser. Alors, il a arrêté de pleuvoir ici à Lifouz. Le soleil qui est derrière la tribune, dos à nous, donc. Fait son apparition. On avait vu un terrain quand même détrempé tout à l'heure là. Pas de souci, c'est impeccable, ça fuse. Ça va accélérer le jeu. Mais c'est très praticable. Le ballon qui n'est pas freiné. Quoi. Voilà. Là, il n'y a presque plus d'eau, hein. Ça a été drainé. Naturellement, le système de drainage, il fonctionne bien. Quand il pleut plus. Tiré très tendu de la part de Nemia. Notando. Petite talonnade, petite glissade. On revient en arrière avec Willy Wayo, donc qui sera en position de meneur de jeu. Là où Mon Wamowé devait jouer aujourd'hui. Donc il est absent, le capitaine d'Atanaï. Et le public qui s'est installé dans les gradins. Alors c'est vrai qu'à Lifou, 31 mariages prévus dans le mois de juin. Beaucoup de gens occupés et... Mais il y a quand même du monde au stade. Il y a quand même un peu de monde. On nous suit sur les lives. Certainement qu'il y a des écrans qui ont été mis sur place. Et cette tête. Oh, deuxième poteau, il y avait de l'oubli là-bas dans le marquage. Non, on revoit. Eh oui, complètement esselé. Heureusement qu'il n'a pas pu rabattre. Ils sont gênés. Ils sont gênés avec Dylan Sio. Dylan. Dégagement plein axe. Attention avec couverture de Martin Makam. Prend pas de risque. Se méfier de Jordan Wetchia et Denis Wayo là, qui vont très vite. Wetria qui est en pleine forme. Hein. Deuxième meilleur buteur en compagnie de Germain Ewogene avec 7 buts. Devant lui, Amiro Iné. Devant eux, Amiro Iné. Qui était à 11 buts avant cette rencontre face à Cougnier. Deuxième journée. On le rappelle, hein, c'est la deuxième journée. Puisque donc on aura des journées de rattrapage
reprogrammée par la commission d'organisation des compétitions fédérales pour pallier donc forcément à la crise Covid et puis ce mois ou deux mois pratiquement de non-compétition. Et donc ce début de championnat qui avait été décalé. Magenta qui a aussi perdu Maxime Peluchon. Alexandre, c'est le papa, il est là d'ailleurs aujourd'hui. Oui, le Maxime défenseur. Peluchon qui est parti donc vers la métropole, un peu à la star de Didier Simon. Ils perdent un joueur important, la SM. Et voilà, il y a les priorités professionnelles, bel arc-en-ciel et d'études. Le bel arc-en-ciel, les nuages et le ciel de l'Ifou, magnifique image. Avec le soleil qui revient, la lumière. On a changé de coloris par rapport à tout à l'heure, on s'était tout gris. Ah, il a plu pendant au moins 2-3 bonnes heures, hein, notamment lors du premier match. Voilà, heureusement qu'on voit l'image, qui a fait un gros travail avec cette équipe de Magenta qui au départ était en reconstruction et petit à petit ils ont su trouver des automatismes, des combinaisons, des bases défensives. Des bases défensives de... Même si bon, Magenta n'enregistre pour l'instant qu'un succès pour 3 nuls et 2 défaites. Mais pour une équipe qui a perdu pas mal de joueurs. Ah oui, il a dû recomposer totalement son 11. Chapeau monsieur Moisan, chapeau là. Ça risque de payer en cours de saison. Ils vont avoir une année de transition, peut-être deux. Avant peut-être de revoir très vite l'ASM sur les sommets. Football calédonien, intervention. Puis ça permet à des jeunes aussi de prendre un peu entre guillemets le pouvoir et d'avoir leur chance. Là on voit Edouard Jewine là qui s'est imposé couloir droit dans cette défense à 4. Bien fait ça, Willy Wayo. Ou le bon ballon, dommage. Il y a le petit Wazairima aussi là sur le côté gauche qui est Toué. Intéressant aussi, Toué. Très intéressant. Et puis Martin Macam qui s'est. Après c'était la paire Macam imposé, Peluchon. Et... Comme le patron de cette défense. Et pour l'instant, toujours 1-0 donc après ce but éclair, on va dire. 43 secondes, on le rappelle, pour cette ouverture du score signée Nemia Kevin. Et voilà l'autre Nemia. Il était cherché. Et bien fait ça avec Meiron Ralic. Dommage. Ouais, ils auraient dû écarter. Attention. Ouais, il s'impose tranquillement. Yoran Waima surpris donc sur l'ouverture du score. Il avait été très bon le week-end dernier, Yoran Waima face à Tiga. Et bonne opération aussi de John de Baco aujourd'hui. Hein. Ouais, surprise. Ouais, il repasse 8e là, en attendant donc ce score, enfin les autres scores, mais il fallait s'imposer. C'est chose faite pour la JS aujourd'hui. Attention. Sortie de but. Kadjo. Bien, parfait, avec De Villers. Ouais. Ouais.
Bien fait ça avec Ludovic Forest. Il a monté là côté gauche de Sio. Et on se dégage côté blanc. Nemia. Ouais, il permute beaucoup. Nemia, Kevin Nemia. Quand l'un est plus bas, l'autre est plus haut. Mmh. Oh, ils s'entendent très bien. C'est... on se rappelle du match contre Juan Nono. Ils ont joué à 10 où les deux Nemia ont vraiment tenu l'équipe de Magenta. Et donc ils se connaissent. Ils se connaissent bien. Et puis, ils sont intelligents dans leur déplacement. C'est ça. Ils font attention à l'autre faille. Après, il y a la qualité technique aussi derrière. Donc ça aide. Ça, c'est un plus. Hein. Jackie Wetea qui peut relancer avec Guérin. Voilà. Encore les deux Némiens qui se cherchaient. L'intervention du capitaine Lucio. Attention. Pas prendre de risques. Ouais, bien fait ça. Très bien joué. Allez, il faut repartir au milieu. Très bien. Allez, on appuie. Et non, bien. En fait, finalement, ça on va lancer Wetea avec un contre un. Peut-être l'égalisation. Et là, voilà. Cette égalisation. Incontournable. Jordan Wetea. Voilà. Huitième but de la saison pour le goleador Datanaï. Et quelle action, John. On va revoir au ralenti. Avec ça cette passe très bien amené. Le ballon est parti de derrière à gauche. Voilà, on va voir. C'est revenu dans l'axe. Voilà. Et quelle passe de Méron. Et la vitesse. Trois passes. Quelle vitesse ensuite. Et il a fait écran, celui qui était en appui là. Et qui s'est, il me semble que c'est Denis Weho. Qui aurait pu jouer en appui soutien. Et justement, il a fait. Il s'est décalé, laisser le ballon à Meyron Radic. Et quel, voilà. Quel caviar, comme on dit. Et c'est bien parti. C'est parti sur le chapeau de récupération du capitaine de Nejiru. Et puis qui est remonté sur la gauche. En tout cas, au bout de 14 minutes, ça fait déjà deux buts. Un but partout, donc, avec la 8e réalisation de Wetea. Nejiru, hein, qui on voit un jeu au sol très très intéressant. Là, il s'est blessé. Il y a aussi l'absence de Nathanael Maen, hein, côté orange. Nathanael aussi, ça fait deux matchs qu'il ne joue pas. Et Emmanuel Maen, qu'on n'a pas vu aussi la semaine dernière, qui était titulaire. Pas sur, dans le groupe aujourd'hui. Ah, c'est parti. Fond la caisse dans cette rencontre. Et en tout cas, John, on a vu la vitesse de pointe encore de Wetea là. Ouais, ça a été. Qui s'impose vraiment comme un des tout meilleurs joueurs offensifs de Super League. Alors, on a vu ce qu'il pouvait faire la semaine dernière avec Tigaspor où il a multiplié les appels, les courses et mis en difficulté cette défense. C'est vraiment le profil type de l'attaquant calédonien. Il va très vite, il aime la profondeur, il est dynamique devant. Très très intéressant. Et puis, tueur en ce moment devant le but. Voilà, il vient de montrer qu'il ne faut pas lui laisser de l'espace. Et quelle passe de Meyron Ralic. En une touche, c'est ça. Il a donné de la vitesse en jouant simplement. Ah, sincèrement, voir telle passe, c'est aussi... Ça a été rapide, ça a été simple, il a vu le jeu. Aussi beau de après, voir. Après, quand même, le milieu était dégarni. Comme ça. Il a eu le temps de lever la tête et d'ajuster sa passe. S'il avait quelqu'un sur le dos, ça n'aurait pas été pareil. Ok, une erreur défensive derrière et il y a un très beau jeu offensif qui a été mis en place par cette offensive de Nejiru. On la revoit. Ah non, c'est la faute. Ah, il y a un joueur au sol. Meyron Ralic. Meyron qui... Espérons qu'il ne soit pas. Ouais, je crois que c'est fini. Ah, espérons que ça aille pour Meyron.
Je crois que c'est sa cheville qui a tourné, donc forcément inquiet. Cédric Wedjem au banc de touche. Eh oui, changement. Ah, ça va faire. Dommage. Bah, il aura. Ils enchaînent les. Ouais. Mauvaise surprise. Il aura eu le temps de nous gratifier d'une superbe passe décisive et c'est le jeune Claude Forest qui va faire son entrée poste pour poste. Ah, peut-être qu'il était un peu blessé avant. Et voilà la jeunesse qui va devoir eh bien, rentrer vite dans Attention. Le bain avec Denis Wayo, la tête. On lui dit pas, il aurait pu contrôler ce ballon. Il aurait pu la prendre du pied, il était tout seul. Enfin, tout seul. Attention. Là. Jérima. Ouais. Faire le ralenti. Voilà. On lui aurait parlé. Ah, puis cette équipe de Magenta qui au fil des matchs et aussi va se mettre dans le rythme de la Super League. On a beaucoup de joueurs qui arrivent de PH et de l'Olympique. Donc c'est sûr qu'en PH les transmissions sont un peu moins rapides. La prise d'information l'est aussi. Voilà, on se met dans le bain, on s'habitue, on s'adapte. On devrait voir des joueurs comme De Villers, Foubert, Guérin. Progresser. Se mettre dans le rang, prendre le pli et puis progresser, voilà, comme tu le dis. Une équipe, finalement, un challenge intéressant pour Alain. Et puis, s'ils arrivent à trouver une bonne cohésion d'équipe, ça peut aider justement à développer voilà, cette progression, là, que ce soit au niveau tactique, technique. Vas-y, Rima. Second poteau. Waima s'est fait un peu peur, mais ça va. Et il relance vite, c'est bien fait. Bon, en tout cas, un joker déjà de grillé pour WGM au niveau des remplacements. Et c'est Kevin Nemia qui va aller fixer le centre parfait. Oh là là, le raté. Oh, le raté. Malheureux, il est malheureux, De Villers. Il a tenté le plat du pied Nicolas De Villers, mais ça lui est resté dans le talon. Et on voit quel centre super du droit centre. De Nemia. Ouais. Ouais. Ah là là, dommage. Grosse action pour Magenta. C'est sûr qu'il regardait plus le. Il a pas assez ouvert son plat du pied. Mais c'est pas évident. Et bien, où c'était tiré direct. Un corner à la Di Maria. J'avais signalé l'autre fois, mais c'est vrai que. Ils aiment bien là en ce moment faire les corners à la Di Maria. Corner rentrant là. On voit, hein, c'est... parce que là il le fait exprès. Hein. Il veut soit le faire direct, trouver la petite déviation de tête de Nemia qui coupe au premier poteau. C'était bien tiré. Wetewea. Bien fait encore. Avec Foubert. Bien fait. Après, ah, ils sont bons dans le voilà, sortir après, ça sert à rien de s'enfermer. Le jeu dans le petit espace, vraiment, ils excellent, les joueurs d'Atanaï, c'est leur qualité, ce petit crochet magnifique, cette action, avec cette frappe. Ah, c'est applaudi logiquement par le public, parce que une bonne action construite. On avait pensé à un moment que ce serait renfermé, c'était enfermé là côté gauche, et puis ils arrivent à s'en sortir avec cette frappe encore de Wachia. Après, c'est un terrain sur lequel ils ont leur repère aussi, John. Ouais, voilà. Ça, d'une part, et puis. Bon, après, on reste quand même avec un effectif qui est amoindri dû à ces trois absences-là. Leur capitaine. Voilà. Centre, bah, trois absences, plus. Là, la sortie de Myron. Ouais, ça fait beaucoup, mais bon. Oula, c'était un peu. Ouais. Passe, c'est pas ça. Raté. Faut pas les faire, ça me surprend. Dans l'axe.
Toujours dangereux dans l'axe, les passes latérales. Les passes latérales, c'est les passes les plus dangereuses. Il peut tuer une équipe comme ça. Avec Kevin Nemia. Ah, c'était combiné, mais à personne. Il arrive à pleine vitesse, là, le capitaine. Sio. Ouais. Jackie Wetewa tranquille, pas tant que ça. Et on perd le ballon côté Magenta. Et donc en direct depuis Lifou et déjà deux buts dans cette rencontre. Et pratiquement 25 minutes de jouer. Chaque fois on se jette, c'est comme ça des fois qu'on provoque des fautes. C'est de contrôler, surtout dans ces zones-là. Là. Ouais, ça crée on danger derrière. But, voilà. Il y a 40 mètres des buts. But, ouais. Et voilà, ça crée peut-être un danger. Heureusement, il est là encore, le capitaine omniprésent, Sio. Puis se parler, se communiquer, ça a été le gros problème la semaine dernière où on ne communique pas assez. Jouiné, bien fait avec Nemia, Kevin Nemia qui est dans une belle forme en ce début de match, en cette première demi-heure, la frappe de Kevin Nemia, il est en confiance et ça se sent. Ouais. Et quand il est en confiance, Kevin Nemia, ça peut faire très mal. C'est un joueur de Wachaele avec Nemia d'ailleurs. Après, il avait quand même De Villers qui était scellé là-bas, qui était tout seul sur le côté gauche, glisser. Il aurait pu lui mettre. Ça, c'est. Ça va alterner le jeu avec ses partenaires ou le jeu tout seul. C'est bon, c'est un attaquant, hein. Il prend ses responsabilités, il faut savoir être égoïste des fois à ce poste. Alors j'ai eu les trois buteurs, John de Yangensport, Ami Roine qui a inscrit son 12e but de la saison. Il consolide sa place de leader au classement des buteurs. Joatale et Shafi Mandawe ont également marqué pour le leader nordiste. Qui on le rappelle s'est imposé 3 buts à 1 face à Kounié. Kounié qui enchaîne deux défaites mais on voit les supporters bien blottis dans la falaise là-bas. Aux premières loges. Ah, c'est des loges. Première. Loge du Stade Nassé. En tout cas, vraiment une belle enceinte sportive. Attention. Ils ont obtenu ce corner par Dylan Sio. Non. Eh bien, non. Finalement, une sortie de but. Hop là. On va rappeler la question du jour avec une question qui vous est proposée. Et ce jeu SMS proposé par la Fédération Calédonienne de Football avec ce week-end encore le soutien d'énergie Pacific Energy, partenaire officiel de la Fédération de la FCF. Avec cette question du jour.
qui vous est proposé. Donc, quel club calédonien a été le plus de fois sacré champion de Calédonie? On suit quand même cette action. Ce centre seul. Oh, il était tout seul, était incroyable tout seul. C'est la deuxième. Deux gros ratés pour De Villers. Bah, c'est la deuxième. Faut être fort dans la tête parce que malheureusement là, j'avais même le temps de contrôler. Ah oui, il pouvait la contrôler. Et on revoit ce beau centre là, côté droit. Bien tendu. Ah, il avait le temps de contrôler. Et le après, raté de Villers. Il faut se trouver où il était, donc c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, ça va peut-être venir, mais il faut pas. Faut garder confiance sur voilà. Tout ça. Continuer à. On se met dans des dans ces positions-là où... C'est un problème d'abnégation. Et donc, sur cette question du jour, Deloitte a gagné avec un maillot de la sélection de Nouvelle-Calédonie. Et également un bon d'essence d'une valeur de 9000 francs en station Shell. Grâce au partenaire Pacific Energy, partenaire officiel de la fédération, répondait à cette question. Quel club donc a été le plus titré, le plus de fois sacré champion de Calédonie? Tapez 1, envoyez 1. Si vous pensez que c'est la AS Magenta, envoyez 2 par SMS. Si vous pensez que c'est la JS Baco, c'est un SMS envoyé au 3520. Et vous serez peut-être tiré parmi, sorti parmi les deux gagnants du jour. 233 francs TTC. On va suivre au 3520. 1 ou 2. Ah, Wachia, 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 le petit ballon, oh, la T3, le truc. Là, il est, voilà, c'est ça. Ah, le raté c'est de ça, Jordan Wachia. Tout à l'heure, Kevin Lemieux qui a fait preuve, qui a manqué justement d'altruisme, mais là, on voit Wachia qui, lui. C'était passé avec superbe action là du jeune Claude Forest qui a fait une belle rentrée. Là, il y a une main quand même. Il a attendu que les joueurs adverses ferment l'angle pour faire la passe. En fait, il aurait dû faire la passe dès le départ. Au moment où il fait la passe, en fait, il fallait qu'il la frappe. Deux grosses actions hein, des deux côtés. La tête, c'est un sauvetage sur sa ligne. Ouh là là, des deux côtés, là, on a une belle partie, une belle bataille. Hein. Et je suis aussi satisfait de la rentrée du, je disais, du jeune Forest, la Claude là. Et... Ah, c'est des jeunes qui arrivent. Hein, et faut se mettre dans le bain et voilà, c'est... bon baptême, de Super League. C'est bien fait encore et ça, ouais, c'est un match rythmé. On vient de passer la demi-heure de jeu. On voit encore une fois, il est très actif Nicolas De Villers, il lui manque plus que le réalisme et l'efficacité devant le but. Public de Negeo. Ah ouais, les gradins sont pleins, encore une fois. Sur la tribune principale, la volée tentée. Le jeu SMS hein, qui vous est proposé, qui prendra fin lors de la deuxième mi-temps de cette rencontre. Sure. Bien fait avec Nemia, Kevin Nemia. Nemia, bien défendu. Par Dandry Kukadjo.
Chia. Ouais, encore Kevin Nemia. Il y a l'arbitre assistant qui agite son drapeau. Il l'a pas vu, monsieur l'arbitre. Et bien si. Wedgem, un peu dépité, alors forcément c'est dur aussi quand on est coach garder ses émotions, quand on a un avant-match un peu compliqué comme ça on l'a dit tout à l'heure, où on perd trois joueurs au moins, dont deux prévus titulaires et des hommes de base. Et voilà. Voilà le deuxième but. Voilà. Ah non, eh bien non, bah, décidément il n'est pas verni notre ami Nicolas de Villers. C'est sa troisième occasion là. On va revoir, et on ralentit cet enjeu. Voilà la VAR avec Bendy. On ralentit. Ah bah on voit pas. Non, on voit pas. Mais il n'y a pas enjeu, je pense. On va voir sur le plan large. Ouais. Mais a priori, il n'y avait pas enjeu sur ce qu'on voit là, sur cette image. Après, on essaiera de revoir aux images. Voilà. Elle est là. D'accord. Oh non, si on peut revoir. Ouais, elle est là, elle est là, il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Y a pas en jeu on va revoir. On va revoir. Là, maintenant. Sur vraiment la prise. C'est limite. C'est limite. C'est limite. Bon. C'est limite. Allez, à vous de juger. Voilà. Envoyez un ou deux. Envoyez un s'il n'y a pas en jeu. Et envoyez deux. Si deux. C'est pas facile d'être arbitre. D'ailleurs, on salue tout le travail aussi fait par nos arbitres, aidé aussi par nos partenaires tels que le RSMA ou l'OPT, qui militent aussi, qui nous aident au niveau de la fédération à développer l'arbitrage. Et puis, merci aussi à nos formateurs d'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? C'est venu. Chewé qui se fait respecter, c'est bien. Un match, un bon match, John, vraiment, pour l'instant. Avec chacune des deux formations qui se rendent coup pour coup et qui auraient pu prendre l'avantage. Ah oui, les deux, pour l'instant, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Très bon joueur Alexandre Thio. C'est rare qu'il allonge hein, Alexandre Thio derrière. On cherche toujours le. C'est un jeu court, je vais remonter le ballon. Et De Villers qui avait bien cru stop. Marquer ce but qui lui aurait fait du bien. Il fait une belle partie, malheureusement, bah, il n'est pas verni sur la finition. Ballon. Attention. Alors là, ça peut aller vite. Uchiha. Là, ça peut aller très vite. 3 contre 3, si on négocie bien. Ouais, oh, c'est mal. On lui a pas mis une passe trop. Pas assez appuyée. Après, défensivement, ils se sont organisés, ils se sont parlé. On se retrouvera samedi prochain, John, le 12 juin, et on sera de nouveau à Nouméa Délé, à Nouméa, avec la journée 11. Et encore des rencontres intéressantes.
Lossi Magenta à 14h, toujours en direct, et 16h30, Tigasport à Escounier. Et le leader, Yann Gann, qui sera exempt. Géou qui ira affronter d'ailleurs l'AS Mondor du côté de Boeva. Ça, c'est des ballons perdus trop rapidement. Bien fait ça. Ah, Némia n'a pas trop touché de ballon cette première période. Heureusement, ça n'a pas été dévié. Ah, il a vu, c'est bien joué quand même, il aurait dû jouer simple, plus simple, mais c'est ça, Willy, qui s'applique dans sa passe. Mais c'est ça, l'intention, elle est bonne. Il jouait plus juste. Et il peut donner plus de volume à son jeu, Willy. Là, on voit à l'écran, il est trop proche de son milieu. Il donne de l'espace, donne de la distance. Pour avoir un avantage sur l'adversaire, un temps de plus. Une seconde de plus, ça suffit. Pour l'instant, toujours 0-0 à Nouma Dele, John, entre les oranges. Dombert et Lossi. Ah, Dembélé aussi. Attention, volé. C'est pareil, Forest. Qu'il est seul. Jeune Claude Forest qui a tenté sa chance. On voit sur cette voilà. Action, donc il était au deuxième ballon. Deuxième ballon, et là il est seul, mais bien quand même. C'est... Armé, bien armé, mais pas cadré. Allez, la relance de Chiaroiné. Voilà, on a perdu trop rapidement. Bien joué. Prend pas de risque côté gardien d'ASM. Ballon qui faute. Revient en faveur de Negeo. Attention, ballon dans la boîte, attention! Ouais, ils sont tous les deux, ils se gênent. Alain Moisan à l'image, ancien champion de France avec l'AS Monaco dans les années 70-80 et international, ancien international français. On ne présente plus Alain Moisan, qui donc a un groupe en reconstruction, qui pour l'instant partage les points du nul aujourd'hui avec le SNJU. Et bon, après personnellement, c'est l'une des équipes qui a eu une grosse marge de progression depuis le début du championnat. Depuis les 6-7 matchs, voire 8 matchs. Oui, c'est vrai qu'on les a commentés d'entrée, nous. Le premier match qu'on a commenté, ils étaient vraiment, c'était catastrophe. Et puis, d'ailleurs, ils ont fait match une contre Bakou. Hein. Ouais, et là, après, on voit, malgré quelques revers, on apprend aussi comme ça. Et, ouais, et puis, c'est bien plus construit, bien plus fluide, ouais, et cohérent. On va dire. Voilà. Et Alain, il a su. On pense qu'un petit à petit là, ce groupe donnait une teneur au jeu, une rigueur tactique trouvée aussi. Rigueurs, et Némia là qui a fait la différence, le centre dommage. Et un ballon là-bas vers Ludovic Forest.
qui allonge, c'est pas mal fait. Hakam, bien vu. Allez, de l'autre côté rapidement. Voilà. Puis c'est deux latéraux là qui se sont imposés, comme on le voit à l'image, Toué, Wasiarima. On va tout doucement arriver à la fin du temps additionnel, du temps réglementaire, pardon, il y aura un peu de temps additionnel. Et la deuxième équipe pour moi, c'est Tigasport qui aujourd'hui a montré une bonne évolution dans son. Avertissement pour Donny Wayo. Après, c'est vrai qu'on sortait d'une crise Covid ou. D'un confinement où les joueurs n'étaient peut-être pas non plus prêts physiquement, où il n'y avait pas eu beaucoup d'entraînement. Oui, mais après, à contrario, si on regarde le profil de Wetch au départ, ils étaient cartonnés, et puis là, coup de mou. Après, c'est pas surprenant sur les autres championnats, enfin, sur les autres années, Wetch a toujours eu ce comportement de manque de régularité, ça démarre bien, puis après. Avec leur buteur aussi qui doit leur forcément manquer. Hein, Charmin et Wegené. Ouais. Mais bon, ils vont se remettre. On leur souhaite en tout cas tout le courage. Aux hommes de Casimir-Marois. Ça va très vite. Et bien fait ça. Veillez au grave. Très très long dégagement en l'air. Et la tête de Sio directement en touche. Elle va rentrer dans la dernière minute de jeu. Et ça y est, la nuit est complètement tombée du côté de l'IFU. Ça y est, c'est fini. Très rapide. Comme attention. Deuxième poteau. Ouh, il a failli tromper son gardien. Un corner, c'est fin de première mi-temps. Et Bako, première victoire, j'ai l'impression que tenu en échec Magenta 1-1. Deuxième victoire de la saison. Allez, Némia juste avant la mi-temps, c'est trop long du coup. Et voilà, on en sera après cette rencontre à 8 journées jouées hein, quand même. Ce n'est pas rien. 8 journées, 2 mois de championnat, de compétition complet. Ça faisait une éternité que c'était pas arrivé en Calédonie. Et il faut rattraper aussi ces mois perdus. Ils vont enchaîner une saison pleine. Hein, je crois que c'est presque les week-ends de Super League, parce qu'il y aura la coupe aussi. En plus. Ça aurait été bien pour préparer la O-League avec des matchs tous les week-ends. C'était intéressant pour nos cagoules. Ouais, et puis on rappelle donc l'annulation de cette Ligue des Champions édition 2021 au grand dames de Tigasport et Horizon Passau. Malheureusement, la crise sanitaire qui n'en finit plus. Trop de contraintes forcément. Et voilà, oh là là, super et voilà. Les deux Némia encore. Némia, Némia qui trouve Kevin Némia qui fait un super contrôle. Puis toujours derrière, ce duo magique là qui, à nouveau, fait la différence. Deux gauchers qui montrent l'étendue de leur et capacité c'est le doublé. À jouer ensemble. Alors on revoit. Hop, fin de centre, il pousse magnifique le ballon. Technique. Un petit centre piqué, le petit contrôle piqué. Parfait et boum, derrière la frappe. Contrôle enchaîné, frappe. Juste magnifique. Sous rien à dire. Ah, décidément, ce duo, il fait mal en Super League cette année. On joue les arrêts de jeu. Et voilà. Et ben, décidément, ils ont bouclé la boucle. 43 secondes. Au bout de 43 secondes, Kevin Némia ouvre le score. Et 20 secondes avant le coup de sifflet de la première mi-temps, il marque le doublé. Ça fait 2-1, John. Ça fait 2-1. Et donc, on va se quitter là-dessus avec l'image du, pour l'instant, de l'homme du match, Kevin Némia. On se retrouve juste après la pause. Magenta qui mène 2-1. À la mi-temps, ciao, à tout à l'heure.
Dis-moi, pour l'anniversaire de Tommy, il fait comme d'hab, bonbon soda. Bah oui, mon cœur. Les sucreries, c'est tout ce qu'ils aiment, les enfants. Bah oui. À toute la team, Monsieur Coroy. On est en urgence contre Chabrier et Paquito. Il nous faut les meilleurs produits au meilleur prix. Tommy, si mes calculs sont bons, tu devrais avoir les parents en visu dans 5, 4, 3, 2, 1. Tommy, c'est bon, t'as réussi ? Super, Tommy. Pardon, monsieur, pourriez-vous m'attraper le jus de pomme qui est là-haut, s'il vous plaît ? Merci, monsieur, merci. Chargement de produit, c'est bon. T'es trop fort, Alex. Tu vois ce que je t'avais dit ? Quand on prend les bons produits, on peut pas se rater. Mission Corail réussie! Chez Corail, choisir les bons produits, c'est un jeu d'enfant. Deux clubs de Super League sont là, les Géo, et là ils sont à l'atteinte, donc on va vous donner vos lettres Covid. Et on vous donne la première partie complète, et la deuxième, s'il n'y a pas trop d'amende, on vous donnera pas plus. Normalement c'est 1,3 million, aujourd'hui on vous donne 650. Voilà, et on peut applaudir les deux clubs de Super League. Ok, on applaudit, merci.
Ouais, on est de retour au stade Nassé d'Olifou, John, avec une première mi-temps qui a été intéressante. Et puis Kevin Nemia qui a permis donc en toute fin de première période à la SM de revenir à la pause avec ce petit but d'avance. Il aura fallu attendre simplement 43 secondes pour voir Kevin Nemia frapper. On va le voir tout de suite. Et là voilà, la frappe. Prise d'info, hein, tu en parles souvent, et là on le voit direct, il lève la tête, il sait où est le but. Le geste de l'attaquant. Il se concentre que sur le ballon. Que sur le ballon. Il regarde que le ballon, il frappe et elle prend la direction qu'il veut lui donner. Ah non, c'était c'était bien Kevin Nemia. Oui, c'est Kevin Nemia. Je voyais Nemia à l'image. Et puis cette réaction avec ce caviar signé Meiron Ralic, Jordan Motia, plein de vitesse et de sang-froid. Ça faisait un but partout, on jouait simplement depuis 12 minutes. Match lancé sur le chapeau de roue. Elle aussi qui est Djéou qui a su imposer son jeu là dans notre jeu pendant une bonne demi-heure, mais Magenta était bien en place, solide, avec Wichiala qui rate grosse occasion. Juste avant il y avait eu Nicolas Devillers qui avait raté deux gros coups pour l'ASM. Et puis cette action, un ballon un peu perdu bêtement là par Atanaï. Le petit piqué de Nemia, la frappe, que dire de cet enchaînement de Kevin Nemia. Le doublé. Et ça fait 2 buts à 1 donc pour Magenta actuellement. Les points d'Imi qui mènent 1-0 à Koné. Voilà, une autre surprise. Et c'est pas fini. Point mi-temps terminé. Prends les infos à la source. Voilà, les infos en direct. Les points d'Imi qui mènent 1-0. Après Bako qui vient de s'imposer 2-1, il y a point d'Imi qui mène 1-0 et qui pourrait avoir son aujourd'hui. Premier succès. Ouais, carrément. Et donc on va suivre tout ça là sur cette deuxième période. En tout cas, Nejiu qui pourrait enchaîner. Ça serait une autre surprise si de défaite et un nul en cas de succès confirmé de Magenta ici à l'IFU. Là pour l'instant, très mauvaise opération pour les Oranges. Ouais. Il reste beaucoup de temps et une seconde période certainement alléchante. On l'espère en tout cas avec déjà un coup franc excentré pour Okadjo. Bien tiré, prolongé au second poteau par un joueur de l'ASM, ça fera un coup de pied de coin. Et ça va être tiré par Claude Forest. Pied gauche, jeune Forest. Bien tiré, cette tête décroisé. Ah, c'était bien, très bien tiré ce corner, cette tête de Wayo. On va revoir. C'est Woody. Ouais, c'est Woody. Allez, ballon pour Tanaï qui va donc courir après ce score. Wichiya, la frappe. Ouais. C'est le plus en vue devant, hein, Jordan Wichiya. Côté orange. Et long renvoi du gardien Tchouaméni.
heureusement que ça n'a pas passé avec De Villers maintenant. Il se retourne. Villers qui a été malheureux, John, sur cette première période. Hein. Il a fait deux gros manqués, puis ce but marqué, mais hors-jeu. Limite, mais... En tout cas, le corps arbitral a décidé. Qu'il y avait hors-jeu. Ça freine, faut aller. Voilà. Allez, Sio. C'est bien fait, quelle action avec peut-être Tuetia là. On a eu deux déviations magnifiques d'un coup. Le ballon qui. Ouais, c'est très navigue. Bien. Après. Et encore une fois, ce duo Kevin Nemia qui est là devant pour aussi garder ses ballons. Ils sont précieux, hein, mine de rien, pour la conservation de balle. Et remonter ce bloc. Et puis les deux là de côté qui font quand même beaucoup d'efforts, hein, Foubert et De Villers défensif. Je pense qu'Alain Moisan a dû insister là-dessus. On voit superbe action avec cette déviation poitrine de Waeo. Avec toute son expérience, Alain qui a dû sentir que voilà, fallait déjà trouver ce socle défensif, même aussi pour les deux de côté là. Il a dû bien travailler là-dessus, certainement. Oui, pour le couvrir et ses côtés. Vous avez Rima qui. Ses déplacements sont intéressants. Ah, il manque un peu ses touches de balle en une touche et transmission en une touche et. Ah, bah ça compliqué. Encore de ces joueurs qui. On le disait par manque de. De rythme Super League et de prise d'information rapide, tripote un peu trop, mais c'est, ça va venir. Une équipe. C'est plus facile de compliquer le jeu que de jouer simple. Et après, c'est vrai que plus on monte de niveau, plus la prise d'information est rapide, plus le jeu est fluide, plus le jeu est direct. Et moins on fait de touches de balle. Hein. Oui, on fait de touches de balle, on est plus à l'écoute de son partenaire, on est plus à. Dans le bon timing. Exactement. Après, tout ça, c'est des combinaisons qui se travaillent à l'entraînement. Si c'est pas fait à l'entraînement, c'est pas au match qu'on va le voir. Donc il faut répéter les combinaisons, les actions à l'entraînement pour que le match soit le reflet de l'entraînement. C'est le jeu simple qui est le plus difficile au football. Exactement. C'est le paradoxe du ballon rond, du sport. Qui est le ballon rond, sport numéro 1 mondial. La percussion dans cette surface de réparation. Coup de pied de coin. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, on est heureux de vous proposer ce live depuis l'IFU et on le rappelle, cette belle enceinte sportive qui est Stade Nassé. On voit au fond là-bas, John, la salle en construction. Ouais. Salle de futsal qui accueillera aussi la Super League Futsal qui est actuellement rénovée. Ça a pris un peu de retard avec la crise Covid. Allez, corner. Vraiment une belle enceinte sportive ici à l'IFU. Ça serait un sujet pour toi, ça. Voilà. pour caler le foot. Le complexe sportif de. De Nassé. De Nassé. J'irai demain. On va saluer Rokini Kane qui va se marier la semaine prochaine. Lundi. Lundi, ils sont en plein préparatif du côté de Géolou. Pas loin d'ici, à 20 minutes. Oui, et là ce soir il y a la famille de la fille qui rentre. Voilà, on salue toute la famille, les deux familles. Gardien emblématique de la Calédonie, qui a d'ailleurs officié sous l'ère Moisan. En 2012, il avait fait le grand début avec la sélection en tant que titulaire. Coupe des Nations Salomon, John. J'y étais déjà dans le staff. C'était de bons souvenirs. On avait perdu. Ils avaient perdu Kagou face à Tahiti en finale. La Coupe des Confédérations qui s'était dérobée. Et c'est vrai qu'Alain Moisan avait. Alors qu'ils avaient battu la Nouvelle-Zélande. Ouais, un demi. But de Waddle. But de Waddle. Et de Yamel. Sur une passe de Yamel. Et un but aussi de Bertrand Caille.
Un des plus grands regrets d'Alain Moisan, hein, il le dit lui-même en tant que coach. Ouh, la frappe de ne pas avoir pu amener cette équipe calédonienne qui était certainement à l'époque meilleure que Tahiti, mais qui avait raté sa finale et qui n'avait pas pu amener donc les cagous en Coupe des Confédérations au Brésil. La Polynésie n'a pas été ridicule. Ah, ils ont pris 10-0, mais faire match nul. Ils ont joué l'Espagne, Nigeria. Ils ont joué l'Espagne, c'est... Ah, ils avaient pris des scores fleuves, mais au moins ils y étaient. Ils ont fait un match nul. Tu sais qu'ils ont pris 10-0 contre l'Espagne, mais ils ont joué contre l'Espagne. Hein. Ils avaient pris Nigeria 6-1, je crois. Mais bon. Un événement qu'Alain Moisan regrettera, mais voilà, hein, les Tahitiens avaient mérité aussi leur place. Ouais. On retrouvera, on espère, les duels tahitiens-calédoniens. Prochainement en qualification Coupe du Monde au Qatar, on l'espère début d'année prochaine. Allez, retour au jeu avec Nemia, ce bon ballon, bon retour malgré tout. Latéral Sio. Enrico Caggio qui a pu relancer. Grand pont. Le retour, la couverture derrière de la défense de l'ASM. Macan. Bien fait avec Foubert. Ouais, c'est ça. Alors, t'es simple, ce petit joueur. Attention, Yoran, bien fait. Dommage, il a mal assuré sa passe ensuite. Touche, Majota. On n'arrive pas à retrouver le jeu d'Atanaï, hein, John. Cette deuxième période, ça peut hacher le jeu là. Elle est vraiment hachée ce jeu, il est moins plaisant que sur la, la première mi-temps. Après, c'est vrai que Magenta essaie de gérer ce score, tenir, et Nejiu qui n'arrive pas à fluidifier son jeu là sur cette entame de seconde période. Ouais, il aurait pu aller de l'autre côté, c'est ça. Ouais. Cette lucidité dans le jeu, de voir qu'un ballon il arrive d'un côté. Pas trop plu au coach Moisan. Il était tout seul. Ah oui, parce qu'il a... Bon, et après il rate son contrôle. Là. Le jeune super ballon. Et la tête. Et toujours donc cet avantage de score. Pour l'équipe Nouméenne en visite donc à l'IFU qui reprendra l'avion demain. Et bon retour. Une nouvelle fois Dylan Sio qui est là, il faut lui parler à Ucaggio. Et pas mal quand même le petit Jimmy derrière avec Martin Macan. Ouais. Une bonne rentrée dans ce 11 là de Wagner. Pas des jeunes joueurs et. Il y a aussi le recrue de Horizon Passo là, qui n'est pas là aujourd'hui, Jean-Baptiste Tchaouiné, qui a donc signé du côté de Magenta. Attention,
Attention, attention. Ballon, et heureusement, une belle intervention du gardien Yoran Waima et la couverture de Sio. Et on approche tout doucement de l'heure de jeu. Ça. Il reste une demi-heure dans cette rencontre. Et Magenta est toujours devant. Oh là là, là là, attention, cette grosse erreur avec Némia, Némia, contre un Némia, le petit piqué, le but, voilà. Le triplé. Il faut pas lui laisser d'espace à ce joueur. Quelle erreur. Adresse devant le but, cette... 43 secondes, réaliste. 46e, 53e, 59e, pardon, 58e exactement. Ça fait triplé, voilà, ça fait un trick. Le ralenti, là il va accélérer. Le petit là, piqué, le geste de l'attaquant, magnifique. Kevin Némia, pour l'instant l'homme du match. Oui. En tout cas, il fait du bien. C'est... Il fait du bien cette équipe de Magenta. On le voyait. Quelle efficacité. À coup du chapeau. Il n'a pas baissé les bras parce qu'au début, les premiers matchs qu'il jouait, bah, c'était, ça devait être difficile pour les deux, là, Némia et Kevin. Quoi. Ils ont su être patients, travailler avec leurs partenaires, leurs coéquipiers, puis arriver à ce genre de résultat. Il vient d'inscrire ses 3, 4 et 5e but de la saison, Kevin Némia, le capitaine qui ouvre une voie royale à l'ASM, ouais. Ici à l'IFU, pour 4 points qui seraient vraiment précieux au niveau comptable, et ça se complique pour Atanaï sur une perte de balle au milieu de terrain. Ça se complique vraiment. C'est Okadjo là qui avait... dans son crochet, pas vu venir derrière lui. Kevin Némia qui ensuite a fait la différence. Et 3 buts à 1. Ouh là là, ouh là là, incroyable ce qu'il vient de tenter. Il est en confiance. Voilà, il aurait mis le but rideau quoi. C'est tenté. Ça aurait été magnifique. Ouais. Un quadruplé sur un but pareil. Allez, Tanaï qui va devoir être fort mentalement pour tenter de revenir dans cette rencontre. Et Tanaï là qui... Pour l'instant, on enregistre 2 revers et un nul qui pourrait être délicat à gérer sur cette saison au niveau comptable. Dans l'objectif d'aller chercher les 2 premières places. Ouais, ça va être... En tout cas, le titre. Il y a 2 changements qui s'opèrent. On a 2 changements du côté de... Ouais, tout pour le tour, Rodrigue Nasson qui rentre. Et également Patrick Goé. Avec les sorties de Ludovic Forest et Denis Wayo. Ouais, il va falloir trouver, pourquoi pas, des solutions à travers ces 2 nouveaux entrants. C'est mal embarqué, mais c'est pas encore fini. Il reste un peu de temps à la voisin qui donne de la voix. Ah, c'est ça, ils sont proches tous les deux là. Ça, faut qu'ils se parlent. Celui qui est au plus au centre, il prend le ballon. Celui qui est plus à droite, il s'écarte. Et aussi qui avait ouvert la marque avec Jean-Philippe Saïko. Dumbia qui a ensuite raté un pénalty. On va essayer de vous donner le score final dès qu'on l'aura. Ah, ça va être difficile. Quoi. Ah,
peut-être, pourquoi pas là, Patrick Gouré. Ouais, il va vite. Et oui. Il a encore la vivacité qu'il faut. Et là, il a mis un coup de rein avec une frappe enchaînée. Ça aurait été une rentrée fracassante. Et surtout, ça aurait permis à Tanaï de revenir à la marque. On a les deux gagnants. John des jeux SMS avec le lot numéro 1 tiré, donc le maillot. Par le 91-31-74. 91-31-74. Fédération calédonienne de football qui vous appellera la semaine prochaine pour récupérer les lots. Et puis les bons d'essence, c'est le 77-54-96. Voilà les gagnants. 77-54-96 qui remporte 9000 francs de bons d'essence avec le partenaire Pacific Energy. De la fédération, voilà pour le jeu du jour et la question du jour. En tout cas, le bon coup du jour, il est signé Magenta pour l'instant. Attention, Juan Wayma qui dégage. Très belle intervention. Bon mouvement et bien coupé Alexandre Ossio. Voilà. Ben oui. Troisième poteau, comme on dit, mais je pense qu'il a cherché encore beaucoup d'énergie. la force dans les pieds. Je crois que oui. Ah mais je crois qu'ils ont tenté une... aussi, ils sont infatigables ces deux. Ils ont tenté une combinaison, il me semble, mais ça n'a pas payé. Allez. Tanaï qui va peut-être, grâce à Patrick Gogoé, retrouver un peu d'espoir. Il fait une rentrée percutante, Patrick Gogoé, l'ancien joueur de l'AS lui aussi. Deux ballons sur le terrain. On laisse jouer ce ballon un peu sans problème. Trop profond. Et Magenta qui enchaînerait là. Son deuxième succès de l'année, de la saison. Passera 16 points et. Laisse passer mon. Là, il faut qu'il sorte le coup. Nadjeo resterait à 20 points. Ah ouais. Là, on voit quand même une équipe de Magenta qui est de mieux en mieux depuis le début de saison. Ça, on le voit avec les courses de Kevin Némia et Némia. Ils sont plus là à essayer de récupérer le ballon très bas. Maintenant, ils savent que les ballons vont arriver. Donc ils restent à leur poste respectif. Et ils font le jeu. Super ballon. Le ballon là-bas à droite, allez. Tanaï qui va peut-être espérer sur cette action revenir. Au score, en tout cas, il est encore là. Faut pas lâcher côté orange. Oui, puis on sait dans le système et le jeu voulu par Alain Moisan, l'importance du physique aussi, John. C'est la répétition d'efforts, notamment voilà, avec un pressing haut. C'est des courses. C'est ce que Coco posait comme question, Coco Ciudo posait comme question aux jeunes. C'est qu'est-ce que vous aimez dans le foot? Et pour lui, la bonne réponse pour Coco, c'est faut aimer courir.
Si tu dis pas ça, c'est pas bon. Bah, il valait mieux bien répondre. Voilà. Ou bien fais ça, cette frappe de Wayo sur ce coup franc qui sort très bien boxé par le gardien de l'ASM. Ah. Attention. Deuxième. Reste. Il faut fixer, voilà, faut fixer. Bien fait. Dans la surface de réparation, le centre en retrait. La on main, demande une main. Oui. On demande une main. Et pénalty. Oui, pénalty. Oui. On va revoir ça. Non, non. Oh, on comprend ah pas non, trop. Ah non, sorti. C'est sorti de but. On va revoir on ça. On a cru au pénalty. Ah, sur cette action. Là, on le voit. Attention. On aurait pu relancer le match et ça sort bien. Joueur de Magenta, mais le ballon de toute façon était sorti. Donc pour l'instant, tient ce score. Donc victoire annoncée de l'ASL aussi, confirmée 1-0, c'est terminé. Résultat important pour l'ASL. Qui se hisse à la troisième place. Face à Dombéa. Elle aussi qui arrive avec 23 points pour l'instant, oui, sur le podium. Passe devant Cougné, devant Juanono et combiné au mauvais score actuel de Negeo. Grosse opération pour l'ASL. Après, ils sont pas sur le podium, pour moi, c'est la première et la deuxième place. Voilà. Les places sont, on rappelle, qualificatives à la Ligue des Champions océaniennes. Negeo là qui fait forcément un mauvais coup ce soir. Avec attention, ce contre, ça peut aller très vite avec De Villers. De Villers fixe. Ouais, c'est donné dommage. Il aurait dû temporiser, il n'avait plus de solution. Il mène. Ça, faut qu'on arrive à comprendre cette situation. Quand on mène, pas obligé d'aller. Tout prix, frappé. Ah oui, ce bon ballon. Oh, voilà. Ce bon ballon avec Wetria qui va très vite. Wetria, il est passé. Jordan Wetria. Voilà. Voilà. Incroyable. La vitesse encore hallucinante de Jordan Wetria. Voilà. On joue depuis 71 minutes de jeu. Ouais. Et tout est relancé. Tout est relancé. Quand je disais, il menait le score Magenta. Il ouais, perd oui. un ballon en voulant essayer de je marquer crois que ça d'attaquer. J'ai un peu à la moisson. Mais voilà. Quel geste encore de l'attaquant. Il va voilà, très très vite, ce Jordan Wetria. Et du coup, il en profite pour mettre son 9e but avec un doublé aujourd'hui ça. Face à un triplé. On va voir. On va voir. C'est loin d'être fini. Il reste une vingtaine de minutes. Ah, il était esselé de Villers. Bon ballon, il garde le ballon. Garde le ballon. Il a voulu jouer sur une passe difficile et derrière ben, on la bute. Faut savoir la gestion du score, c'est important aussi. Gestion d'un match quand on mène, c'est important. Et tout est relancé dans cette rencontre avec il reste du temps, hein, 20 bonnes minutes. Il va falloir tenir du côté de l'AS Magenta. Jéhou là qui va tout faire pour revenir au score. Ounier qui va rentrer à la place de Ted Magenta. Ouais, c'est Edouard Giouine qui sort. Poste pour poste certainement avec Waounier, voilà. Qui fait son entrée. Trois deux.
dans cette belle rencontre où deuxième période était, la deuxième période était un peu moins passionnante, mais le début de la deuxième période, ouais, puis après bah, du coup le score est complètement relancé avec c'est vraiment haché comme tu disais tout à l'heure, c'est des choses intéressantes puis moins. Macam. Il a. Il va laisser sortir intelligemment en corner. Ah, coup de pied de coin. Public de Nacé avec les jeunes là qui sont là. Ils disent bonjour à la famille et aux potes. Tiens, il reste un quart d'heure avec cette tête. Ouh là là, quelle action pour l'ASM. On se dégage comme on peut du côté d'Atanaï. On a encore vu des buts, John, du côté de l'IFU. Ouais. 3 buts sur le premier match et là on est déjà à 5 buts. Déjà 8 buts inscrits aujourd'hui sur cette pelouse synthétique, belle pelouse synthétique du stade Stade Nacé. Attention. Il est encore là, Alexandre Sio, dans l'ambulance. Et pour l'instant, sur cette 12e journée. Buts inscrits, comme ce fut le cas d'ailleurs le week-end dernier. Deuxième plus faible montant total derrière les 16 buts de la 7e journée qui était disputée le 27 avril. Tête, c'est pas fini. Après, c'est vrai qu'on a eu des scores. On a eu des 35 buts en ouais, voilà. Journée. Notamment la première bah, où déjà les Watch avaient cartonné Point d'Imier qui pour l'instant fait une belle opération. Hein, vraiment, on va suivre le score. Ça pose face par contre le Mandor. Ouais, mais c'est pas fini. On va vous tenir au courant et informer de la suite de ce match. Alors que pour l'instant, Magenta fait la bonne opération, mais Magenta va peut-être avoir la pression certainement sur ses dernières minutes de jeu. Wetewea, Jackie Wetewea, bien fait. Voilà, faut temporiser. C'est bien ce que font les blancs et jaunes. Macan, l'allonge. Toujours là, le capitaine Sio. Et voilà, c'est ça, ils ne courent pas après le sport, Magenta. Le score, pardon. Pas après le score, ils sont là, ils mènent. On a vu une équipe de Nejeu beaucoup moins maître du ballon en seconde période. Beaucoup moins sereine dans ses phases de possession de construction. Belle intervention de Laurent Waima. On est plus sur du jeu direct, voilà, comme là, vers l'attaquant Jordan Ochia. Alors qu'en première période, John, il y avait un jeu assez fluide et cohérent. Mais après, plus le temps passe, plus on se dit qu'on a de moins en moins de temps. Donc il va falloir vite aller vers l'avant. Alors qu'il faut prendre son temps. On peut donner de la vitesse à son jeu en prenant le temps. Belle intervention de Foubert. Allez, il faut aller fixer, bien fait, Foubert. Ouais. Okay. Bien fait, le petit passement de jambe. Et la faute. Kevin Lumière, il va la tenter. Ah, il va la tenter, Kevin. Un peu plus de 10 minutes de la fin. Bon, on n'aura pas fait le voyage pour rien avec ces beaux buts aussi inscrits on voit la aujourd'hui. Sortie, ouais, bel arrêt de Johan. Et attention,
Il est capable de la mettre. Et quadruplé. Il est pas loin peut-être. Pour Nemia. Frappe. On l'avait dit, il va la tenter. En forme, en confiance, Kevin. Nemia. Son pied gauche. Qu'est-ce qui se passe? On voit ce tir très puissant et Wayma qui accompagne ce ballon. Second poteau. La faute tenue. Il faut mettre du rythme là, faut aller mettre cette pression sur le but de Magenta pour l'instant. C'est en demi-teinte. Antanaï. Faut pas qu'ils dénaturent leur jeu, faut qu'ils continuent à garder leur jeu. Avec le chrono, oui, qui tourne aussi. Hein, qui donc. Tourne. Bon ballon vers Wayo. Il obtient un beau coup franc. Ça va être pour lui, je crois. C'est pour Willy, ça. Allez. Avec coup franc extrêmement bien placé pour Léo Orange. L'ascenseur. La moins en dubitatif. Et surtout, j'espère. Bonne issue sur ce coup franc parce que là, effectivement, on est au 20 mètres. Un mur assez conséquent mis en place par Tchaouine. Willy Wayo. Force, c'est directement dans le mur. C'est pas fini, peut-être une deuxième chance pour les Oranges. Il y a faute. Il ne bouge pas et ça repart en contre-attaque. Il faut garder ses ballons. Il faut qu'il les garde là. Voilà. Ça va être important maintenant. Savoir conserver le ballon, remonter le bloc. Allez, vous avez de gagner des pressions secondes. On revoit. Ouais. Ça aurait pu être sifflé. Il y a un contact. L'arbitre aujourd'hui, il a décidé de. Changement à venir. Après, hein, c'est toujours pareil. On regarde même les matchs de très haut niveau à la télé avec la VAR. Toujours difficile de prendre les décisions. Surtout que avec la VAR, le jeu est à l'arrêt. Quoi. C'est pas vitesse réelle, donc forcément, ça change la perception. Alors, l'entrée de Junior Forest et également de Willy Wazizi, les sorties de on tente le tout pour le tout hein. Timmy Gikas qui sort et Ukadjo, Michel Ukadjo. Oui. Pas beaucoup de temps, 7 minutes un peu plus dans le temps réglementaire. Ouais. Voilà, Nemia qui a dû se faire mal là. Ouais, avec le terrain, les terrains qui sont lourds avec l'eau. On va certainement pas prendre de risque. Ouais. Kenny Waitreux qui va peut-être faire son entrée.
La saison est longue. Et on voit la Némia dépendance. Ouais. John, entre guillemets, ouais. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre un tel joueur. Alors, il y a des années où même Alain Moisan avait doublé, voire même triplé certains postes. À Magenta, c'était très très dur d'avoir du temps de jeu. Dans cette année, bah, c'est beaucoup moins de bancs au niveau quantitatif et qualité. Pour l'instant, en tout cas, la SM qui fait une bien belle opération. Voilà, John Camizac aussi qui va faire son entrée en jeu. À la place de. Et on voit cette main. Donc c'est Némia qui sort. Némia ou Kevin Némia ? Non, Némia qui sort. C'est Némia et voilà. Jackie Wetewer. Et Jackie Wetewer. C'est du poste pour poste qui fait. Allez, 5 minutes. Pour Atanaï pour revenir et ne pas rester sur cette dynamique négative de 3 matchs en victoire, notamment 2 défaites qui se profilent pour l'instant. Mais pourquoi pas là sur un coup franc lointain où il faut s'imposer. Ouais. Poussette. On rentre dans les 5 dernières minutes de ce match. Et Macam qui va allonger. Oula. Ouais, elle fait un bon match Alexandre Rossio derrière là. C'est tout. Et lui aussi il a fait un bon match. On voit cette intervention défensive, mais un coup de pied de coin donc pour Magenta. Et on va tout doucement se rapprocher. Cette fin de match. Cette fin de match où l'ASM eh bien, aura finalement mené. Tout du long, mais attention. Pas à l'abri d'une égalisation. Ce ballon qui revient vers Patrick Goué. Il a de l'espace, Patrick Goué. Bien fait, ça. Oui, bien fait, bien fait. Cette prise de balle, il a pu se retourner. Ouazizi. Parce qu'il est à l'arbitre. On voit. Faut signaler contre Goé. Ah, attention. Ah, il y a tout ce qui va signaler. On va suivre ça. Attention, monsieur Achewe qui va aller sortir un carton. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle couleur? C'est un jaune hein, pour le capitaine. Sio. Elle a fait un bon match, faut pas tout gâcher, Alexandre Sio. Monsieur Achewe qui pour l'instant gère son match. Il a regardé sa montre, il reste moins de 3 minutes dans ce temps réglementaire, ballon qui est sorti. Longue touche. Allez, pourquoi pas une occasion, une opportunité là sur le coup. Ce ballon récupéré. Et un coup franc, voilà. Ce genre de coup franc qu'il faut éviter, John. Ouais. Et il reste et là, 2 minutes, on arrive dans la. Vraiment, il sait que c'est des ballons importants. À la Moisan au bord de terrain, là. Et... Ouais.
Allez, coup franc pour Waéo. Peut-être une opportunité pour Atanaï. L'attente directe, c'est encore dans le mur. C'est mal tiré, ça offre un contre avec Kamizak. Ça passe pour Magenta et Nemia. Le super ballon, c'est pas possible. C'est incroyable. Il ne marquera pas aujourd'hui. Il ne va pas y arriver, mais là, il s'est trompé de pied. Il aurait dû mettre le pied droit. En tout cas, il a toujours été là, ça. On ne peut pas lui reprocher, c'est pour l'avenir. Il est déjà replacé. Il n'a jamais baissé la tête. Il a ce ballon. On est un peu triste pour eux. Ouais, c'est pour lui. Nicolas, parce qu'il aurait mérité vraiment ce but. Mais là, il s'est trompé de pied. Hein. Il a choisi le pied gauche. Et attention à l'opposé. Oh, le but. Un centre-tir à la dernière. Cruel, et c'est le jeune Claude Forest. Incroyable. À une minute de la fin, la Moisan qui n'en revient pas. C'est difficile. Il va falloir être costaud dans la tête là. Ce centre raté et puis le gardien qui se trouve. Oh là là, mauvaise trajectoire appréciée. Et ce but du jeune Claude Forest. On en est à 3 partout. On n'y croyait plus et à 4-2 c'est pareil. On en est à 4-3, c'est la beauté du football. Foubert, je crois, avec des heureux et des malheureux. Nicolas Foubert qui est au sol, qui en peut plus. Ah, il va s'en vouloir forcément de Villers, mais on jouait la 89e. Après, il n'a pas marqué, mais derrière, il faut que l'équipe soit concentrée. Le mec, il a eu je ne sais pas combien d'occasions. Il faut se les créer, ces occasions. Il faut être là au moment. De toute façon, dans le football, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ouais, exactement. C'est vrai que individuellement, c'est vrai qu'il lâche rien. Moi, je trouve qu'elle est vachement intéressante, cette équipe de Magenta. Après, il a encore du travail. Ce qu'il a fait, Moisan, depuis qu'on a vu le premier match de Magenta, c'est fort. Et puis là c'est vraiment malheureux, on rentre dans le temps additionnel sur un centre raté, un centre de tir on va dire. Et bien l'égalisation, signé Atanaï, signé Forest, le jeune Claude Forest, une belle histoire aussi. Parce qu'il me semble que c'est bien lui qui a adressé ce centre le 10. Et en tout cas, 3 buts partout pour l'instant, incroyable dénouement. Ouais. On ne sera pas ennuyé en tout cas sur cette belle journée vécue ici à l'IFU, une belle journée de football proposée par la fédération. Il y avait du jeu, il y avait l'intensité. Par moment, il y a eu. Et c'est pas fini avec Kevin Nemia, la frappe. Il veut y aller tout seul. Ouais, là, c'est ça. Mais bon, après, on peut le comprendre, là, c'est dur, la déception, on peut l'imaginer, la sentir même d'ici des tribunes pour Alain Moisan et ses hommes. Ils ont mené tout le match, la 43e seconde. En tout cas, ils n'ont jamais été menés. Ils se sont fait égaliser alors qu'on n'y croyait plus vraiment. Et cette action, juste avant de breaker et d'entériner cette victoire, malheureusement, là c'est le football. Et déjà, tant mieux pour Atanaï, tant pis, on a envie de dire pour Magenta. C'est vrai qu'il y a toujours des zéros, des malheureux dans les dénouements. Et là, c'est dur à encaisser forcément, mais. Ils n'ont pas perdu. Voilà. Et pour l'instant, ils n'ont pas non plus pas gagné parce qu'il reste quelques secondes. Et mais personne ne pensait que Magenta allait. Moi, en tout cas, quand j'ai vu le premier match de Magenta, je ne pensais pas qu'ils allaient arriver à ça. Donc voilà, le travail qu'il a effectué à Moisan, chapeau. Cette journée. On verra après comment ils vont se comporter tout le long de la saison. Mais en tout cas, cette progression qu'il y a eu entre le premier et le septième match de l'AS Magenta, c'est deux Magenta différents.
avec Kevin Nemia. Et pourquoi pas avoir la SM au bout du bout s'arracher pour aller chercher ces 4 points de la victoire. Il y aura on un corner. On est dans les arrêts de jeu. Alors la beauté serait pour la SM de voir Nicolas Devillers inscrire ce but. C'est dommage, il a fait une sacrée belle partie. Et puis le match dernier aussi, il a eu... Ouais, ça va revenir, mais après, c'est des cycles il aussi était dans bon, le foot. Ouais. Qui persiste. Puis après, on doute un peu devant le but, on fait pas le bon geste. Attention, c'est corner. Voilà, c'est fini, je pense. Il a regardé sa montre. Il va pas encore. Oh, il va pas deux fois qu'il regarde, mais... La faute. Je crois qu'on va en rester là. Ouais, ça y est. Ils auront fait 3-4 matchs nuls, l'AS Magenta, entre Yengen, Bako. Ah ben là, c'est le quatrième match nul, une victoire de défaite. Et puis Atanaï bah, qui sauve les meubles un peu. Et voilà. Avec ce deuxième match nul encaissé à l'arraché, vraiment. Alain Moisan qui salue en bas de votre image Cédric Wedjem. Une petite tape amicale entre le jeune Cédric Wedjem et le très expérimenté Alain Moisan qui. La vraie. Bon, il est déçu sur le coup, mais après, voilà. Ça, il sait que la saison, de toute façon, est bien longue. On va passer au résumé des actions que l'on a vécues sur cette belle rencontre prolifique en but entre le SNJU et l'AS Magenta avec l'ouverture du score. On l'avait dit très rapide, ultra rapide même, avec le show Kevin Nemia qui a commencé dès la 43e minute. Seconde, pardon. Ouais, puis c'est le rebond, hop, ça fuse. Frappe imparable, même pas le temps de se chauffer. Il était déjà buteur, notre ami Kevin Nemia. La réaction avec cette magnifique passe de Raelich Mayron vers son buteur et goleador, Jordan Wachia, l'un des gros bonhommes aussi de cette journée. 12 de la Super League. Cette égalisation. Kevin Nemia, petit ballon piqué pour Nemia, pour Kevin Nemia, pardon, Nemia Nemia, et puis voilà, ça finit au fond, sous la barre. Et voilà, ce troisième but de Nemia Nemia. Et ce petit piqué, le geste de l'attaquant à la Ben Yedder. À la Ben Yedder. On pensait que bah, Magenta avait fait le plus dur, avait voilà. Ouais, et puis cette action ensuite, ratée malheureusement par l'ASM qui coûtera cher puisque. Là, cette petite erreur. Cette petite erreur au milieu de terrain qui a permis perte à balle de, voilà, Jordan de marquer. Jordan là qui marque son deuxième but, son doublé. Sa vitesse fait la différence, qui remet un peu dans le coup à ce moment-là Tanei. Et là, juste avant, il y a eu ce but qui était dans la continuité de l'action. Voilà, le centre. Cruel, le centre un peu raté. Peut-être une mauvaise trajectoire. Il a une mauvaise évaluation. Du gardien. Ouais, mauvaise trajectoire, mauvaise anticipation de trajectoire en tout cas de Tchaouine. Willy. Et la poignée de main, on reste sur ce geste très fair play des deux coachs, John. On aura vécu une belle journée ici belle à Lifou. La jeunesse est. Ouais, tout, comme un symbole. La sagesse. Bravo à la production de nous avoir fourni ces images. On remercie les équipes d'Encaprod, réalisateur Flo, les caméramans Olivier Tech et puis. Ben au ralenti, voilà, on a été très heureux de pouvoir vous faire vivre ces moments de football depuis les îles. On se retrouvera dès le week-end prochain du côté de Nouméa, John. On sera Madélé. Toute la team Web TV encore présente pour vous faire suivre ces beaux moments de Super League et de football calédonien. On remercie forcément la Fédération calédonienne de football et son président Gilles Tavergeux pour nous avoir permis de venir ici aux îles du côté de Lifou. À très vite et puis on vous souhaite une bonne fin de week-end à tous et à toutes. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.